dimanche 30 novembre, toute l'actualité du jour sur la télévision de la Bali va commencer par le sommaire. Le Niger célèbre en ce jour la journée nationale de la liberté de la presse à l'occasion d'une grandiose cérémonie de lancement, de conférence et d'une soirée de la presse. Merci de nous avoir avec nous et bienvenue à toutes et à tous. Première édition, dis-je, de la Journée nationale de la liberté de la presse au Niger en ce dimanche 30 novembre, instituée, vous le savez, en souvenir de la signature par le président de la République, chef de l'État, de la déclaration de la montagne de la table. Une fête, mais également une occasion pour faire le point sur la liberté de la presse au Niger, nous rapporte Nasser Nantoufo et Halidou Bourema. Politique, juridique et économique de la liberté de la presse au Niger est le thème retenu pour cette première édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Une journée dédiée à la famille de la presse nigérienne pour son rôle prépondérant dans l'avènement et le renforcement du processus démocratique et de la construction d'un état de droit. Cette journée du 30 novembre, désormais inscrite dans les annales de l'histoire de la presse, est une occasion pour faire le point sur l'état de la liberté de presse au Niger. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est placée sous le concombre important des enjeux politiques, économiques et politiques de la liberté de la presse. Le choix de ce thème est déterminé par les réalités que vit au quotidien, aussi bien les journalistes que les agents de presse au sein desquels ils exercent. En effet, les travailleurs de médias de leur argent évoluent dans des conditions bien souvent laborieuses et les organes de presse éprouvent de grandes difficultés à se constituer en véritable entreprise. L'institution de la Journée nationale de la liberté de la presse est à la fois l'aboutissement d'une longue lutte des professionnels de la communication et la volonté politique du président de la République et du gouvernement, dira le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Yahuza Sadissou. C'est à la fois l'aboutissement d'une longue lutte, comme l'a rappelé tout à l'heure le président du CSC, celle des professionnels de la communication et la claire manifestation d'une volonté politique du président de la République et du gouvernement de créer un environnement propice à l'épanouissement de la presse nigérienne. Cette date est assurément à inscrire à lettre d'or dans les annales de l'histoire de cette noble profession, j'ai nommé le journalisme. Elle vient rappeler, s'il en était besoin, le ferme engagement du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à soutenir et pourvoir la liberté de la presse et la protection des journalistes de l'exercice de leur métier à travers la signature de la déclaration de la montagne de la table le 30 novembre 2011. Le président Issoufou, faut-il le rappeler, est le premier chef d'État africain à avoir souscrit à cet engagement qui vise à abolir les lois sur la diffamation et l'injure politique en Afrique et à replacer la liberté de la presse au cœur des discussions. Une première édition qui a vu la collaboration de la maison de presse, le Conseil supérieur de la communication, qui ont tous apprécié l'initiative. Nous appelons les différents acteurs à jouer convenablement et à toute sincérité leur rôle. Je veux dire que les responsables des médias, les journalistes et les animateurs doivent changer de comportement en restant les règles du métier aujourd'hui bafouées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Aux décideurs de se référer à l'ordonnance portant régime de la liberté de presse et celle sur l'audiovisuel en vue de l'instauration d'un véritable état de droit. La liberté de la presse que nous célébrons aujourd'hui n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit de longues et dures conquêtes.
tout au long de l'histoire sociopolitique de notre pays. La deuxième raison, depuis la première, les journalistes qui exercent aujourd'hui, sans crainte d'être arrêtés, n'ont peur d'être enlevés, ne doivent pas dilapider les acquis des luttes de leurs dévanciers. Bien au contraire, ils ont le devoir, j'allais dire, ils ont même l'impératif catégorique de poursuivre le chemin tracé, sinon de consolider au moins ce qui est déjà écrit. Notons enfin, une visite des différents stands d'exposition des différents médias a été effectuée par le Premier ministre Brigitte Raffini, présent à cette journée qui sera meublée par une série de conférences couronnées par une soirée culturelle. Nous voilà édifiés, mais nous nous excusons pour la mauvaise qualité du son. À l'occasion de cette fête, juste donc après cette cérémonie, le hall d'entrée du Palais de Congrès a servi de cadre d'échange aux organes de presse qui ont discuté, échangé et partagé avec un public venu nombreux. Le public a donc répondu présent et s'est bien délecté, vous allez le voir, de l'opportunité qui lui est offerte de connaître davantage sa presse. Le résumé. La liberté de la presse au Niger. Déjà grande au regard de ce qui se passe dans beaucoup de pays à travers le monde, la voilà en ce dimanche 30 novembre s'enrichir des nouveaux piliers et des nouveaux cadres d'expression. La Journée nationale de la liberté de la presse célébrée en ce jour a ravivé la flamme d'un droit fondamental qui n'a de cesse d'aller en crescendo. Ce matin, au hall d'entrée du Palais de Congrès, il y avait foule. Des autorités, des partenaires, d'invités et d'anonymes, tous venus accompagner le monde de la presse à construire le socle d'une liberté et qu'ils souhaitent plus large et davantage ancrée dans nos mœurs. Dans cette frénésie, les anciens du métier, les vétérans de cette lutte vieille de plusieurs décennies, sont venus apporter leur pierre à l'édifice et se félicitent de cette marche en avant. Ça me fait 55 ans que je suis à la presse. 55 ans, si je vous dis ce que j'ai subi avant cette liberté de presse, j'ai été condamné à mort, à exécuter demain matin à 5 pour une affaire que je ne peux pas citer maintenant. J'ai été en prison, 6 mois de prison en Guinée. Ne trompez pas la population, dites la vérité. Ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, on ne vous empêche pas. On donne libre cours de faire tout ce que vous voulez. À côté d'eux et avec le même enthousiasme, leurs partenaires ONG et associations de développement également là pour témoigner de leur soutien. ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, tout ce qu'on mène comme activité est mené avec la collaboration des médias. Parce que les médias jouent vraiment un rôle capital dans la promotion de nos activités. Je tiens à féliciter l'ensemble des médias nigériens à travers leurs activités, leurs entreprises. Les journalistes, nombreux particulièrement exubérants ce jour, s'émeuvent devant l'ascension fulgurante de leur liberté. C'est un pas assez significatif d'un point de vue institutionnel, mais également d'un point de vue symbolique institutionnel, parce que désormais les différents acteurs, que ce soit les acteurs des médias, que ce soit les gouvernements, que ce soit les acteurs de la société civile ou même les citoyens, ont un espace dans le cadre duquel toutes les questions qui se rapportent à la liberté de la presse pourront être discutées, examinées, approfondies. Et je pense que c'est la liberté de la presse qui gagne. Deuxièmement, d'un point de vue symbolique, aujourd'hui le Niger fait figure d'un pays en la matière. Déjà, vous savez les pas de géant que nous a fait en matière de liberté de la presse, avec la dépénalisation des délits de presse, avec l'adoption de la charte d'action et aux documents administratifs, avec la signature de la déclaration de la table de la montagne par le président de la République. Aujourd'hui, nous disposons d'une journée nationale et je pense que dans notre sous-région, c'est quand même un événement rare. Notre travail que nous faisons est un travail véritablement. On ne fait pas du journalisme pour gagner de l'argent. Mais ça fait plaisir aujourd'hui de voir comment la population s'est mobilisée pour dire à sa manière, nous féliciter et reconnaître ce travail important que nous faisons au jour le jour pour participer au développement de notre pays, pour participer à l'enracinement de la démocratie. Et j'ai tenu aussi à visiter le stand de la télévision La Rabali à l'occasion de cette journée pour souhaiter aussi une bonne journée de la liberté de la presse. Et je pense que c'est un moment assez important pour nous tous, d'abord en tant que professionnels de l'information,
mais c'est aussi une occasion pour nous de rappeler aux décideurs. Il y a un certain nombre de textes qui ont été ratifiés, qui sont en principe mis en œuvre pour favoriser un bon cadre, un bon environnement de travail pour le journaliste. Mais on se rend compte que, deux fois, entre ce qui est écrit sur le texte et dans la réalité pratique, on compte à beaucoup de difficultés. Et peut-être c'est l'occasion aujourd'hui, cette journée, de le rappeler aux décideurs. L'autorité de tutelle est là, au milieu d'une foule, presque en liesse, pour marteler à nouveau son engagement au profit d'une presse libre au Niger. Je suis tout simplement ému. Ému en ce sens que les médias nationaux, tous les médias nationaux, sont retrouvés à travers cette journée nationale de la liberté de la presse. Pour nous, c'est un signal fort de la collaboration au sein de l'ensemble des médias de notre pays, avec bien entendu le ministère de tutelle, le ministère de la communication. Et nous avons réaffirmé notre engagement à davantage collaborer pour que vivent les médias dans notre pays. La preuve que le monde de la presse au Niger, quoique dans l'euphorie d'une fête, a bien conscience qu'il lui appartient de protéger cette liberté grandissante, de ne pas en abuser et surtout de lui baliser la voie, car comme le dit l'adage, toute liberté qui ne souffre d'aucune restriction se tue elle-même. Pardonnez-nous, nous sommes dans l'euphorie de la fête, comme je le disais tantôt. Le monde de la presse, justement, et pendant qu'on y est avec ce récurrent et douloureux problème de la prise en charge des travailleurs des médias privés. Le problème, vous allez l'entendre, est crucial et hélas encore loin d'être résolu, malgré la ratification par le Niger d'une convention de l'Organisation internationale du travail OIT relative à la sécurité et à la santé au travail. C'est notre jour, dossier du jour, signé Hassan Saleh Mustapha. Au Niger, difficile pour les travailleurs des organes de presse privés d'exercer leur métier dans des conditions requises. Le problème s'enchaîne et loin de trouver de solution. Entre autres problèmes, le manque de la prise en charge sanitaire. Si notre aujourd'hui domaine a plus de problèmes que tous les domaines, c'est parce que nous nous occupons des problèmes de tout le monde et que nous oublions nous-mêmes que nous avons des préoccupations plus que tout le monde. Vous avez vu des cas où des journalistes sont tombés malades. Ils ont succombé juste pour des fautes de soins. Moi, je pense que pour résoudre ce problème, il faut bien que les journalistes prennent conscience. Parce que tout le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est-à-dire que des journalistes ne sont pas conscients qu'eux-mêmes, ils sont exposés. C'est un travail qui engage tout le monde. C'est une préoccupation qui dérange tout le monde. Au Niger, les travailleurs de médias sont exposés à tout risque sanitaire. Accidents de travail ou sur le terrain, maladies, entre autres. En cas de tous ces problèmes, les agents sont laissés à eux-mêmes. Le manque de la prise en charge sanitaire des travailleurs de médias est une réalité au Niger. Les patrons de presse n'ont pas d'autre choix. C'est une réalité d'ordre général qu'on vit. D'abord, les gens ne sont pas dans les conditions à travers les différents salaires qui sont maigres que vous connaissez. Sans protection sociale, il faut qu'on sécurise. Autant on ratifie les lois sur la liberté de la presse, autant il faut sécuriser cette presse à travers les différentes conventions de protection. La sécurisation des agents de médias fait partie des préoccupations des organisations socio-professionnelles des médias qui luttent pour l'adoption de la convention collective. La plupart de nos entreprises de presse n'ont pas de comptabilité. Je veux dire pas de comptabilité fiable. Elles n'ont pas d'assises financières. Dans ces conditions, ça m'étonnerait qu'on puisse tout de suite prendre en charge la santé des travailleurs. Donc à partir du moment où même les salaires décents n'est pas garanti, à partir du moment où même le matériel de travail est très limité et parfois vétuste, il serait vraiment illusoire de parler de la prise en charge sanitaire des travailleurs. Pourtant, le Niger a ratifié en 2009 la Convention 155 de l'Organisation internationale du travail OIT relative à la sécurité et à la santé au travail, adoptée en 1981. Une convention qui s'applique à tous les travailleurs dans toutes les branches d'activité économique. La convention, elle prévoit l'adoption d'une politique nationale. Elle demande aux États de prévoir l'adoption d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail, de même que des mesures à prendre par les autorités publiques
et dans les entreprises pour promouvoir la santé et la sécurité et améliorer les conditions de travail. Donc ça veut dire que l'UNGER a ratifié cette convention. Ça veut dire qu'elle s'applique à n'importe quelle entreprise. N'importe quelle entreprise, au regard de cette convention, ça veut dire que tous les travailleurs dans des entreprises, que ce soit des médias, vos responsables immédiats doivent vous inscrire à la caisse de sécurité sociale. Vous devrez être individuellement immatriculé et bénéficier des prestations de la caisse. Un travailleur qui n'est pas inscrit à la caisse, ou soit à qui on fait comprendre qu'il est régulièrement inscrit à la caisse, il aura pendant toute sa carrière vécu inutilement. Autre convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, c'est la 187 qui dit que les États doivent promouvoir l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions et maladies professionnelles et le décès imputable au travail par le développement en consultation avec les organisations d'employeurs. Les conventions 161 et 102 de l'OIT abordent dans le même sens. Les travailleurs doivent avoir une protection sociale. Chaque année, la commission norme de l'OIT nous envoie un rapport. Et il nous demande, par rapport à toutes ces conventions, de dire, par rapport au mécanisme, l'applicabilité de toutes ces conventions, comment exercer ce fonds. Donc nous faisons des rapports que nous envoie au niveau de l'OIT. Et ça peut faire sujet de l'interpellation d'un gouvernement par rapport à l'application d'une norme internationale. Tous les États souverains du monde, même si tu ne ratifies pas une convention, surtout les 8 fondamentales, du fait de ton appartenance à l'OIT, tu as le devoir scrupuleux de les respecter. Au Niger, c'est le manque de contrats en bonne et due forme entre les employeurs et les employés et l'état de précarité dans lequel végètent les travailleurs du secteur des médias qui amène le promoteur de ne pas prendre en compte la protection sociale. Si l'État met les médias privés dans leurs droits, si les gens se vont à la signature de la convention collective, ces questions-là sont prises en charge par la convention collective et les gens vont trouver la solution. C'est le fait de faire des mutuelles de santé dans les organes de presse. L'organe de presse peut mobiliser et verser une somme assez importante à un cabinet de santé et ainsi que les travailleurs, chaque fin de mois, ils vont cotiser pour ce fonds-là qui va être créé, ce fonds qui va prendre en charge tous les travailleurs de presse qui vont tomber malades et eux et leurs familles. Ce fonds-là va être servi pour les prendre en charge. Pour qu'il ait une véritable protection sociale des agents des médias privés au Niger, la réglementation de ce secteur est nécessaire et le gouvernement devrait créer les conditions pouvant amener les promoteurs des médias privés de mettre en application les conventions de l'OIT ratifiées par le Niger. Et chapitre politique en ce dimanche, c'est la fin du 8e congrès ordinaire du MNSD Nassara, convoqué par le Bureau politique national. Seynou Oumarou a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans, apprend-on dans ce compte-rendu de Assoumana China et Ibrahim Yabtou. Le président sortant Seynou Oumarou, reconduit à la tête du MNSD Nassara, et Tijani Abdelkadri, élu secrétaire général du parti, telles sont les principales conclusions de ce 8e congrès ordinaire convoqué par le Bureau politique national. Vu la constitution du 25 novembre 2010, vu l'ordonnance 2010-84 du 7 décembre 2010, portant charte des partis politiques, vu les textes fondamentaux du MNSD Nassara, considérant le renouvellement régulier des organes et instances, vu le rapport de la commission de vérification de mandat et de candidature en date du 20 novembre 2014, le congrès ordinaire du MSD Nassara, tenu le 29 novembre 2014 à Niamey, investit El Hadj Seynou Oumarou comme président du parti, président du Bureau politique national. Le congrès constitue le collège électoral pour l'élection du secrétaire général du parti. A cet effet, le congrès ordinaire du MSD Nassara, tenu le 27 novembre 2014 à Niamey, investit M. Tijani Abdelkadri Idrissa comme secrétaire général du parti. Le congrès a également adopté des résolutions relatives à l'appartenance du MSD Nassara à la RDR et à la situation sécuritaire. Considérant l'ordonnance numéro 2010-84 du 16 décembre 2010 portant charte des partis politiques, considérant le statut du MSD Nassara, notamment à son article 44, définissant les missions du Conseil national, et 49, définissant les missions du Congrès,
Considérant le protocole de création de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ADR, le congrès de l'MSC Nassara réuni en session ordinaire le 29 novembre 2014 à Niamey, 1. Enterrer la décision du bloc politique relative à l'adhésion du MSC Nassara à l'ADR. 2. Engage le parti à se battre activement au sein de l'ADR pour faire échec aux plans cyniques et antidémocratiques de Mohamed Issoufou visant à démanteler le parti politique de l'opposition, mais aussi à déstabiliser le parti et sa propre politique. Le congrès ordinaire du MSC Nassara tenu le 29 novembre 2014 à Niamey rend un plus grand hommage aux forces de défense et de sécurité pour le sacrifice qu'elles consentent quotidiennement afin d'assurer dans un climat le plus difficile un mouvement de sécurité homogène et l'avenir. Condamne sans appel le terrorisme et le groupe forcément islamique, constitué de trafiquants de tout acabit, qui répandent la peur et hypothèquent toute forme de développement. Il faut noter que le Conseil national qui s'est tenu samedi également a décidé d'exclure 48 membres du MSD Nassara qui soutiennent le régime en place et engager les bureaux politiques à parachever l'adoption des textes du parti, à savoir le statut, le règlement intérieur et le code électoral.